Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode. J'allais dire Assassin's Creed, mais c'est pas du tout ça. Ah, non, c'est bon, mon micro ne fait pas des siennes. Dans ce nouvel épisode de Thief, dans lequel on va d'abord faire les quêtes secondaires avant de finir, continuer et finir hop, la quête principale. Et tout de suite, alors comment on va faire ça? Comment est-ce qu'il faut atteindre cet endroit? On va essayer par là. Très bien. De plus haut, on doit pouvoir l'atteindre. On va pas essayer par là, on va monter. Voilà. Alors on va monter, j'aimerais bien monter là-haut. Par ici. Pourquoi Dame Marigold porte un bracelet en forme de serpent? C'est quoi ce malheur? La vraie question c'est, est-ce qu'elle l'avait avant ou après que son mari soit inscrit au registre mortuaire? Voilà. Ah oh, bah c'est parfait, il y a un petit passage par ici. Pas passer plus loin? D'accord. Pourtant c'est juste en dessous. Ouais, c'est pas par ici. Pas par là non plus. C'est peut-être un étage en dessous alors. Peut-être par là. On va voir ce qu'il y a là-dedans. On explore. Ah, j'ai pas l'impression. Hein. Malheureusement, j'ai pas l'impression. Ah, y a rien ici. Hein. Ah là là, ça m'embête. Ça m'embête. Ça m'embête, ça m'embête. Ah bah, tout simplement en fait. Est-ce que ce serait aussi simple que ça? Et oui, apparemment c'est aussi simple que ça. D'ailleurs c'est tellement simple que c'en est honteux. Excellent. Ah, une petite lettre, nouveau document. Chère Pauline, nous ne pouvons rester séparés plus longtemps, ta voix, ta douce odeur, blablabla. Ton client le plus dévoué, Reginald. D'accord, donc apparemment une prostituée qui a un admirateur ultra secret. Ah, c'est moi où il y a des chutes de FPS assez importantes. C'est un peu gênant. Voilà. Ah, c'est plus bas. On descend et on va voler tout ça. La petite Lucie, à Riverside, on se serre les coudes, tant qu'il n'y a pas d'enjeu. Sinon, c'est chacun pour soi.
Elle est décédée? Ah oui, elle est décédée, bon bah. Si c'est une fille de South Quarter qui l'a tuée, elle a pas dû aller loin. Et elle aura toujours le collier. On va quand même fouiller tout ça. Parce que bon, elle est morte, hein, de toute façon, ça lui servira plus à rien. Voilà. Excellent. Et on remonte. On remonte et on va un peu plus loin. Par ici. Voilà. Et des pleurs, c'est étrange. Oula. What happened? Le collier de Comfort. Ça devrait lui rendre son sourire radieux. Ok. Joyeux. Très joyeux même. Bon bah madame, on va vous laisser tranquille. Hein. Avec le monsieur décédé. Ouvre-toi. Voilà, maintenant qu'on a commis ce méfait-ci, nous allons vers la suite des méfaits, c'est-à-dire ici. Ce serait bien qu'on en fasse au moins 3 dans cet épisode, voire 4 si on est assez chanceux. C'est bien parti pour. Voilà. Quelque chose me dit que j'étais pas censé être ici. Voilà. Juste toi en bas pour voir ce qu'il y a. Il n'y a rien d'intéressant. Voilà. Crochetage qui est bien plus rapide depuis qu'on a amélioré le crochetage. Forcément, ça fait plaisir. On vole toujours tout ce qu'on peut. Ok. Là, on prépare la flèche. Elle est où? Il est où ce point d'accroche? Voilà, tu coupes le piège. Suis gelé. Oh, il fait chier. Oh, vous savez quoi, il fait tellement chier que... Oh, ils font chier. Et mon micro commence à me faire chier aussi, il est en train de faire des bruits bizarres. Alors je suis désolé si vous entendez des petits cliquetis. Et mon micro commence à me saouler. Voilà, c'est bon, normalement là c'est réglé.
Donc je disais, je ne comprends pas parce que on est censé pouvoir avancer à ce niveau-là. Par là-haut. Oh, ce que je vais faire, c'est que je vais tous les assommer, comme ça je vais être tranquille pour explorer. Voilà, et le dernier. Il approche. Voilà. Ce que j'ai fait, c'est complètement nawak, mais au moins, il nous fera plus chier. Tais-toi, tais-toi, le chien, t'es chiant. Ah, il y en a deux en plus. Alors. Aussi simple que ça. Bon, c'est pas aussi simple que ça. Peut-être par ici alors. D'accord, c'est aussi simple que ça. C'est pute hein, quand même, hein, comme. C'est pute. Les passages secrets, moi je suis friand. Voilà. Les passages secrets, j'en suis friand. Par contre, je vois pas ce que ça a ouvert. Ah, ça a ouvert en haut. On va quand même aller voir. Peut-être des choses à voler. Là, il n'y a rien. Là, en dessous, il n'y a rien. Là où j'ai vu un truc briller. Très bien, un bracelet. Et là-dedans, doit y avoir du matériel. Et des boucles d'oreilles, très bien. On redescend. Mais laisse-moi redescendre. Je ne vais pas sauter. Très bien. Nous, on va ici. Bureau de la vigile. Donc on a intérêt d'être... un minimum. Alors, n'allez pas donner de coup de pied dans le Nidra de la rivière, surtout les murennes. Blablabla. Oui, chef, non, chef. Trois caisses pleines, blablabla. Oui, c'était expéditif. Alors, là-dedans. Des flèches. Ici, il n'y a rien. Voilà. On éteint. Là, il y a le tableau qui est intéressant. Voilà. Ça, ça s'ouvre. Oh ! Je dirais que la voile blanche est sur le marché noir. Alors, contrebande, voile blanche, blablabla. Produit, excellent. Si un cargo est taxé de contrebande dans cette ville, ça peut tout dire. Donc, ça c'est fait, déchargement terminé. Ça on pique.
Excellent. Bah écoutez, on a fait cette mission avec succès. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Attends, on va sortir parce que là, c'est invisible. Alors, progression du joueur, c'est très bien, mais on s'en fout. Tac, il y a ça. Il y a ça tout là-haut, il y a ça ici. Piètre protection. On va peut-être faire le poète disparu. Voilà. Alors, le poète disparu. Il faut juste qu'on parte à l'opposé. On va y arriver. On va y arriver. Je sais que c'est un petit peu rébarbatif de faire des épisodes. Hop. Deux. Oh non. Je meurs de faim. Y'a Van Helsing là. Toi tu dors. Voilà. Les épisodes. Ça va aller ? À l'aide ! Quelqu'un ! Non, En plus y a des mecs qui vont direct dire à la garde. Oh, y'a quelqu'un qui a volé. Quelqu'un qui a fait ci, qui a fait ça. Voilà. Voilà ce que j'en pense. Du mal. Je sais pas si c'est bien ce que je fais là. On ouvre. Ça a l'air d'être juste à côté. Si c'est le cas, c'est cool. Ouais, c'est juste à côté. C'est cool. Eh bien, trois missions en une fois, ce serait joyeux. Alors, on va fouiller. Il y a Nadra. Je sais pas s'il a écrit ça avant. Tombeau du précipice. Ou après avoir attrapé la grisaille. Je monte un peu mon son. La bouffe, on récupère. Fragment de poème. En chutant à travers le brèche du temps. Voilà. Fermer le journal, c'est bon. Couteau. Tout ça, c'est très bon. Pourquoi il y a des voix? Bon, c'est pas grave. On vole le tableau parce qu'il est... Il est joli. Hein. Très bien. Fragment du poème 5. Ça se crochette. Même pas. Des flèches, ça se casse. Là, il y a quelque chose. Là, il y a quelque chose. Ok. Bon, là y a rien.
par ici. Il y a un genre de passage secret. Avec un fragment derrière. Fragment numéro 4. Fragment numéro 4. Ça, on s'en fout. Quartier sud. Et il nous reste le tout premier fragment à trouver, qui est je ne sais où. Il n'a pas l'air d'être ici. Je suis sûr qu'on est passé à côté alors qu'on l'avait vu. Ah, je suis désolé pour les sirènes, mais je peux rien y faire, comme d'habitude. C'est à chaque fois pareil, mais je ne peux rien y faire. Oh là là, et chercher 15 ans leur bout de papier, ça commence à me faire chier. Je l'avoue. Ce sont pas les missions les plus passionnantes en plus. On va pas m'avoir filé un autre truc à faire, franchement. Bon. Là, il n'y a rien sur l'armoire, forcément. Et c'était sur l'armoire, bah bien sûr. Vane. Je connais ce nom. C'est une des rivières souterraines. Shelly Vane. On ressort. On ressort et objectif. On va juste essayer de récupérer la tête volée au marché noir. Voilà. Je suis désolé, j'ai regardé un peu mon micro parce que mon micro avait l'air de refaire de la merde. Marché noir. Allez, allez, j'attends. Vous attendez quoi? L'oracle, vieux pochetron. Oh, j'ai oublié de la porter, c'est ça. Faudrait jamais mélanger le travail et les pauses déjeuner entre copains. Il est rangé ailleurs, en sécurité. Les dieux au tombeau! Je patiente jusqu'à la sonnerie du beffroi. Sinon, vous trouverez un autre pigeon pour écouler vos cochonneries. Pas besoin de vous mettre en brume. Je reviens tout de suite. Oh purée, je peux faire. J'ai entendu quelqu'un. Gare ! Oh bah, ok. Je ne savais pas qu'il fallait absolument pas que je me fasse repérer, donc charger dernière sauvegarde. J'attends. Vous attendez quoi? L'oracle, vieux pochetron. Oh, j'ai oublié de la porter, c'est ça. Faudrait jamais mélanger le travail et les pauses déjeuner entre copains. Il est rangé ailleurs, en sécurité. Les dieux au tombeau! Je patiente jusqu'à la sonnerie du beffroi. Sinon, vous trouverez un autre pigeon pour écouler vos cochonneries. Écoute, j'ai besoin d'une femme. Pas besoin de vous mettre en brume. Je reviens tout de suite. Lenny, c'est pas la première fois que je vole au roi des ivrognes. Bon, c'est reparti pour un tour. Comment on fait pour ouvrir une porte quand la poignée arrête pas de gigoter?
Encore une nouvelle invention à la noix. Une poignée qui bouge. Ok, le mec à qui on doit voler... tout ça. Une burette qui retrouverait pas le nord. A l'air d'être un sacré glandu, hein. Ça, on va actionner ça, je sais pas ce que ça donne. Ah, ok, ça donne ça. Bon, écoutez, hein. C'est plutôt pas mal, hein. L'autre, il arrive toujours pas à avancer, je suppose qu'il va falloir lui ouvrir la porte. En attendant, on explore un peu. Tu dors? On va le déplacer dans un endroit où il sera pas vu. C'est le petit bonus, hein, de cet épisode. Voilà. On vole la plaque. Je vais prendre ça. Mais calmez-vous, monsieur. Et lui, il a dû planquer son bousin derrière. Prépare le terrain, je sais pas si on doit le faire venir ou pas, mais moi je préfère préparer le terrain largement. Voilà, donc je pense que là on est efficient pour le faire venir. Sans problème même. Je vais juste essayer de faire un truc. Ouais, on y arrive largement en plus. Un petit truc. J'ai sûrement un coup de cette aboîté. Jenny la Rouge en personne ferait demi-tour devant cette saleté. Très bien. Donc eux ne peuvent plus passer. Hein? C'est qui? J'ai pas les yeux en face des trous. Ouais, t'as besoin de lunettes, exactement. Aider Lenny à avancer. Bon bah Lenny, hein, je te laisse avancer. Je t'ai déjà dégagé de passage, a priori ça va. Allez, avance pour vous. Vous avez l'air occupé, les gars. Pas de temps libre pour le vieux Lenny. Vous embêtez pas plus longtemps. Très bien. Allez, vas-y, plus vite. J'ai jamais vu un poivreau avec la grisaille. Moi, j'ai jamais rien eu de ma vie à part les orteils tout noirs. Docteur, j'ai dit, lâchez votre scalpel, ça sent pas plus mauvais que d'habitude. Et résultat, eh ben, ils sont tombés tout seuls. Ça m'a pas coûté un penny. Oh, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ok. Ok, elle est partie. Ouais, elle est partie, Roger, je sais pas où. Elle est partie, point.
Allez, le vieux. On avance. Oh, je suis désolé si ça dure longtemps, mais c'est pas ma faute. Hein. C'est moi, Lenny. Tu m'ouvres, s'il te plaît. Crie pas aussi fort, mon sang. Tu veux prévenir les mouchards et les plumeurs qu'on est là? Le vieux Lenny les laissera pas passer. Devrais pas avoir de mal à enjamber ta carcasse imbibée. T'es juste bon à arrêter les flèches. T'es pas du bois dont on fait les flûtes, toi. Hors de mon chemin, j'ai du boulot. Très important. Pardon. Exactement, oh, hors de mon chemin. Tu parles d'une nuit. Faut que je boive un coup. Prendre Lenny en filature, un boulot à part entière. Enfin, il m'a emmené jusqu'ici. Très bien. Maintenant qu'on est dans le repère... Ah bah ça n'arrête plus ce soir. Hein. Maintenant qu'on est dans le repère, on chope tout. Prendre ça. Excellent. On chope tout, oui, l'épisode durera un peu plus longtemps, c'est pas grave. Hein. L'important c'est qu'on avance de toute façon. Et qu'on finisse une bonne fois pour tout ce jeu. Parce que bon, c'est bien beau, mais moi j'aimerais bien qu'on le finisse un jour. Non, c'est pas ça. Je sais que j'ai entendu quelque chose. Enfin, je crois. Merde. J'ai dû te débusquer comme un crâne. Rends-toi. C'était n'importe quoi ce qui vient de se passer, hein. C'est pas grave. Mais c'était n'importe quoi quand même. Ça s'éteint. Ça s'ouvre. Oui, je sais, on doit être au-delà de la demi-heure de jeu, mais c'est pas grave. Hein. Pour une fois, ça vous fait un épisode un peu plus long. Puis moi, ça me fait avancer. Tout simplement. Voilà, ça on a fait. On va monter à l'étage. Hein. Quelque chose flottera pour moi dans la rivière ce soir. Ton cadavre. Bim. Excellent. On va quand même s'arrêter. Non, on va pas s'arrêter là, c'est ici. On chope le crâne et on s'arrête là, on fait la suite après. Hein. Voilà. Il irait tout droit sorti d'un numéro de Vittori. Sauf que c'est un vrai crâne. L'étranger que tu rencontreras, grand, bien bâti et obscur sera. Voilà. Alors les amis, on se quitte ici pour cet épisode et on se retrouve dans le prochain épisode à tout voler. À tout voler, on va finir d'explorer la maison là, on va aller finir d'autres missions secondaires. Et ensuite, on sera paré pour aller faire la fin de la mission principale. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode et à plus tout le monde.